Déjà, je peux repasser par là, c'est cool. Allez, go! Donc, je suis au premier étage. J'ai tous mes cœurs. À peu de choses près, en tous les cas. Il faut que je me rende à la salle du boss. Bah, c'est bon, en fait. C'est là. Allez, on est parti. Allez, tape toi. Ça commence bien, toi. Après, c'est pas très grave, ça. L'erreur que j'avais faite hier, bah, c'est de pas avoir récupéré des soins après avoir vaincu... le boss dans sa deuxième phase. Il est là, le souci. Parce que j'aurais pu remplir mes flacons et tout ça. Mais je l'ai pas fait. C'est sur cela que j'avais perdu pas mal de points de vie aussi. Ça recommence. À l'aide! Tiens, ça bête. Bonsoir Lyra, comment ça va? Ah, je vais me faire coincer là. Ça c'est fait. Allez, c'est parti! Je crois que je t'ai tapé dans les flammes. Ah oui, c'est vrai.
Un coup de Dyson. Ah, ça c'est pas cool. Bon, ça va à peu près pour le moment. Non, ça va, j'ai mes trois fées et la potion. Faut juste que j'arrive à garder la potion. Les fées, je peux les utiliser, c'est pas grave. C'est pas un problème. Arc. Je me demande si ça marche pas avec autre chose. Non, pas avec ça. C'est vrai que j'ai pas essayé le reste. Ah là, pour la flamme ? Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est à droite après. Non, c'est à gauche. Dans cet opus, je hais l'arc. L'animation est beaucoup trop longue. Dans les autres, en fait, la flèche elle part et tu peux bouger direct. Enfin, je crois dans la plupart des autres. Tous ceux que j'ai en tête en tout cas. Il m'embête avec ses oursins. Évidemment. Ok, c'est côté droit ou au-dessus? Je pense que c'est au-dessus, ça doit être le dernier là. En fait, ça va parce que j'ai détruit les trucs au fur et à mesure, du coup, je suis pas trop embêté. Ouais, il est au-dessus. Zut! Thank you.
Oh non! C'est dommage. Putain, le placement pourri, quoi. Allez, dégage! Ah, vas-y, remets ça. Putain, j'y crois pas. Ça commence à être le bordel, là. Un peu trop, ouais. Tu l'as vaincu! Dépêche-toi de briser la malédiction! Allez Link, c'est le moment ou jamais! Rends son apparence normale à Zelda grâce au pouvoir de l'épée de 4! Link, je suis si heureuse de te revoir. Même transformée en pierre, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Elle a l'air d'être complètement remise. Nous sommes arrivés juste à temps. Oh non, on dirait que le château s'effondre. C'est trop dangereux de rester ici. Dépêchons-nous de sortir. Très bien. Est-ce que je peux récupérer des points de vie maintenant? J'ai pas l'impression, hein. Si, c'est là. Et c'est ça que j'ai oublié de faire hier. Ça fait combien de fois que je sauve Zelda? Je sais pas, pas beaucoup de fois. D'habitude, elle meurt. Voilà. Ça va aller mieux avec ça. Bon, je sais déjà qu'il faut a priori utiliser ça. Ah, ok, j'ai compris. Enfin, s'il me laisse y aller. Ouais, faut rentrer dedans, je pense. En tout cas, je vois une petite entrée mini-niche là. Hier, j'avais pas fait gaffe quand je vais balancer un coup de baguette. En plus, avant d'essayer la baguette, j'ai essayé tous les autres outils, évidemment, parce que je pensais pas que c'était la baguette. Bah alors, ils prennent zéro coup. Ah, attends, il y en a un. Il y en a un qui est différent. Come on.
Ok. À l'aide. Ouais, mais s'il me laisse pas retourner dans ma cabane là, c'est chaud. Bon, je présume qu'il faut faire pareil avec l'autre. Impeccable, il est juste à côté. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est pas là. Il est là! Maintenant. Et maintenant ça. Non. À l'aide. Ah si. Bah oui, c'était sûr. Ok, c'est bon. Bon, j'ai le truc jusqu'au bout du coup, je pense. Ah, dommage. Évidemment. Bon, je devrais m'en sortir avec toutes mes fées. Ah! Je vais attendre qu'il fasse son machin. J'ai l'impression que même quand ça touche un double, ça me flingue. Ouais. Ah, mais elles sont proches, les attaques éclair et son rayon là. Pas cette fois. C'est bon. C'est impossible! La force! Le prince du mal ne peut pas perdre! Bah si, en fait. Finalement, j'aurais utilisé qu'une fée, quoi. Link, tu es sain et sauf, et tu as gagné un bonnet pour la nuit. Tu as réussi à vaincre Vati, c'est un grand soulagement. Mais les pertes sont terribles, le château, ses habitants. Alors, j'ai retrouvé ma forme normale. Maintenant que Vati n'est plus, sa malédiction s'est dissipée. Mon nom est Excello. Je suis le gardien du savoir des Minishes. C'est moi qui ai créé le chapeau magique que portait Vati. À cause de moi, les humains ont subi de nombreux tourments. Je vous demande pardon. Beaucoup de gens nous ont quittés et le château est très endommagé. Mais il ne faut pas perdre espoir. La force est toujours là, dans le cœur de Zelda, et nous avons le chapeau. C'est porté par une personne au cœur pur qu'il révèle son véritable pouvoir. C'est à vous de jouer, princesse Zelda. Faites un vœu et pensez-y très fort. Le ridicule ne tue pas. Thank you.
Regarde, le château se reforme et les gens retrouvent leur aspect normal. Tout redevient comme avant. Voilà, très bien. Quel flux d'énergie vitale! Si puissant qu'il consume le chapeau. C'est un chapeau à vœux. Son pouvoir matérialise les pensées de son porteur. Le cœur de Vati était trop sombre. Il l'a changé en sorcier maléfique. Mais celui de Zelda, empli d'amour et combiné à la force, a créé un miracle. Bien, je crois malheureusement que le moment est venu de nous quitter. La porte qui s'ouvre une fois par siècle sur le pays des Minish va se refermer. Le mal a été repoussé, la princesse Zelda a ramené la lumière sur Hyrule. Je dois retourner parmi les miens. Désolé d'avoir causé tant d'ennuis. Link, ce fut un plaisir de voyager avec toi. Je suis un peu triste de devoir te quitter. Accepte ce cadeau. C'est la première fois que je te vois comme ça. Il te va bien, petit héros. Porte-toi bien. Tiens, tiens, c'est marrant ça. Adieu. C'est pas normal. Normalement, il peut pas passer les portes. J'ai essayé. Le pas de la porte t'empêche de passer au-dessus normalement. Donc c'est un mytho. Mais bref, mesdames et messieurs, c'en est terminé de Zelda The Minish Cap. Sur la chaîne, évidemment, je l'ai pas fait à 100%, mais c'était vraiment une aventure super sympathique. J'ai adoré le gameplay, c'est parmi les meilleurs des Zelda, on va dire, à l'ancienne. Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont évidemment bien à part. Franchement, c'était super. J'avais dit que j'aurais fait, comment s'appelle-t-il déjà, Majora's Mask. Finalement, je me suis tourné vers celui-ci et je regrette pas un seul instant. Mais normalement, le prochain, ce sera Majora's Mask. C'est pas pour tout de suite, puisque on a d'autres choses sur la planche. D'autres RPG en tête, et notamment on va reprendre Phantasian. Ça sera pour demain ça. Ceux qui sont avec moi, ne quittez pas, on va passer sur Super Metroid. Pour les autres, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette petite série avec moi. Allez, ciao, bye bye.